Salutations et bienvenue dans un tout nouveau guide sur les kites RuneScape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête, le bouclier d'Arav, en temps réel. Le seul prérequis de cette quête sera d'être capable de vaincre un ennemi de niveau 1, sans compter qu'il vous faudra aussi 20 pièces d'or. Pour faire un petit résumé de la quête, la littérature varrokienne parle d'un bouclier précieux volé il y a fort longtemps. Voyez si vous pouvez retrouver ce bouclier et le rapporter au musée. Pour commencer la quête, il vous faudra parler à Reldo, situé dans la bibliothèque du château de Varrok. Parlez-lui. Sélectionnez la première option. Acceptez la quête. Cherchez un livre bleu qui se situe au milieu des étagères du côté est. Cliquez sur le livre pour le lire. Parlez à Reldo et sélectionnez l'option 1. Parlez à Berek, qui se situe au centre de Varrok. Sélectionnez la première option. La première option. La deuxième option. À présent, allez au gang de Phoenix qui se situe au sud du magasin de runes de Varrok. Descendez l'échelle. Parlez à Straven.
Sélectionnez la première option. La première option. Allez à la taverne de la Lune Bleue. Tuez Johnny la Barbe. Prenez le rapport d'espionnage que vous pouvez lire. Retournez parler à Streven. Une fois le dialogue terminé, ouvrez la porte à côté de vous et rendez-vous au sud-ouest complètement. Ouvrez le coffre. Fouillez-le pour avoir une moitié de bouclier. Retournez à la surface. À présent, allez légèrement à l'est de votre position pour grimper l'échelle et aller au deuxième étage. Prenez deux arbalètes de phénix. Elles seront utiles pour la suite de la quête. Allez complètement à l'ouest pour trouver une personne du nom de Charlie le Clochard. Sélectionnez la troisième option. La première option. Allez à l'ouest et parlez à Catherine. Sélectionnez la première option. La première option. La première option. La première option.
est la première option. À présent, assurez-vous d'avoir les deux arbalètes de Phoenix sur vous. Reparlez à Catherine. Ouvrez la porte à côté de vous et grimpez les escaliers. Allez au sud de la pièce pour y trouver un placard. Ouvrez-le. Fouillez-le pour y trouver un autre morceau de bouclier. À présent, utilisez les deux morceaux de bouclier ensemble pour former qu'un seul bouclier. Allez parler au roi de Varuk qui se situe dans son château. Parlez-lui du bouclier d'Arav. Félicitations, vous avez terminé la quête Le bouclier d'Arav, ce qui vous donne un point de quête, 1200 pièces d'or et 2 clés de la chasse au trésor. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao bye!